Mesdames et messieurs, levez-vous. Sum chuyện của cho. The President, please Le be Président, seated. The court Mesdames is et Messieurs, now back in session. Veuillez vous asseoir. Nous reprenons l'audience. We would like to now give the floor to Nous civil party lawyers of group 2 la parole aux co-avocats du groupe de parti civil case. Numéro 2 afin de leur permettre the de civil party faire leurs observations finales. Group 2 have les 1 hour du groupe and 15 2 minutes. Disposent d'une heure. The floor is yours. 1 heure et 15 minutes. La parole est à vous. Mr. Compisay. Maître Compisay. Good morning, Mr. President. Your Bonjour, Honours. Monsieur le I'm Président, very grateful Messieurs les juges. To your Honours for Je giving me this opportunity to address the court. De m'accorder cette occasion pour présenter to begin mes with, observations. I would like to first en guise d'introduction, give the floor to Je souhaiterais my co-counsel, Ms. Zilka Studzinski, and I will ma follow. Maître Studzinski, et j'interviendrai Thank you. À la fin de son intervention. Je vous remercie. Thank you. Good morning, Mr. President. Your Honours. Good Maître morning, Studzinski, everyone in attendance and everyone Monsieur le observing Madame et Messieurs this les juges. I want to make Bonjour et bonjour à toutes les personnes dans le public et bonjour à toutes les personnes qui nous observent. Tout d'abord, nous allons présenter une intervention principale unique. En tant que citoyenne allemande qui vit tous les jours avec la connaissance du récent passé criminel et sanglant du passé de mon pays et en tant que juriste international devant les CVTC, je souhaiterais commencer mon propos par les propos de conclusion du procureur chef britannique Hartley Shawcross à l'occasion du procès de Nuremberg. Le droit triomphe du mal. La procédure n'a pas pour but la vengeance, mais une ferme résolution que, selon laquelle de tels crimes aussi odieux soit-il, ne se reproduisent jamais. Les procès du Nuremberg ont constitué une pierre d'angle dans l'histoire de la civilisation et dans la fondation de tribunaux internationaux et internationalisés s'attaquant à des atrocités de masse au-delà de l'entendement et au-delà de termes adéquats pour qualifier de tels événements aussi horribles, aussi violents que ceux-ci. 30 years after World War II has left Toujours of millions sous of le choc de la Deuxième Guerre mondiale, les propos qui ont été exprimés par le procureur en chef Shawcross ont été frustrés par l'histoire puisque, en vue de ce qui s'est passé dans le Kampuchea démocratique, il y a 30 ans de cela et après la Seconde Guerre mondiale, des centaines de millions de personnes ont trouvé la mort. Cependant, la poursuite de criminels de guerre au cours de la dernière décennie, y compris la création de la CETC, ainsi que des institutions pénales permanentes comme la Cour pénale internationale, contribuent au combat mondial contre l'impunité. La création de la CETC, quelques 30 ans après les crimes commis, et il s'agit ici du premier
premier procès en l'espèce, s'attaque à cette période empreinte d'impunité. La contribution de la CETC va être considérable dans ce processus de guérison du peuple cambodgien, marqué par la souffrance et par les crimes odieux commis sous le régime du Cambodge démocratique. Nous allons découper notre propos en trois parties. Tout d'abord, nous allons présenter les points de vue de nos clients. Il s'agit là de 17 personnes. Nous allons ensuite éclairer les dépositions de certaines parties civiles qui n'ont pas été entendues devant la Chambre. Et troisièmement, nous allons présenter une analyse complète de la déposition de Mme Namon. Et ensuite, nous allons analyser les éléments de preuve produits eu égard aux crimes de nature sexuelle. Et enfin, nous allons nous pencher sur la stratégie de la défense et nous concentrer sur la question de réparation. Il s'agit là de la première du premier tribunal de cette sorte qui permet aux victimes de se constituer partie civile et de jouer un rôle d'égale mesure par rapport à l'accusation et à la défense et qui accorde ici la parole et un droit aux victimes. L'heure est venue de prendre du recul par rapport à ce qui a été fait, aux réussites, aux échecs, et d'évaluer, et c'est ce que nous ferons, la contribution de ce tribunal vis-à-vis de la question de la justice vis-à-vis des victimes et de la stimulation, l'encouragement du processus de réconciliation au Cambodge. Selon les documents qui ont survécu, le centre de détention de 21 était le lieu où ont échoué 12 273 hommes et femmes. Mais le nombre de personnes qui a trouvé la mort à 21 est bien plus élevé que cela. Cependant, seules 94 victimes se sont constituées parties civiles, ce qui représente moins de 0,8% du nombre de prisonniers détenus à 21. Pourquoi est-ce que ce nombre est si réduit comparé au nombre de personnes emprisonnées? Ne croyez-vous pas qu'on devrait avoir une partie civile par prisonnier de 21? Eh bien, il y a toujours une peur qui fait que les partis civils ont peur des répercussions de leur constitution en tant que partie civile vis-à-vis des anciens membres des Khmer Rouges. Et ils croient toujours que les Khmer Rouges vont revenir au pouvoir. Partis civils ont cependant au cours de ce procès réalisé que le fait de participer au CETC leur fait bénéficier d'une solidarité, d'un encouragement. Et nous devons ici les féliciter, les remercier pour leur courage et pour le fait de s'être présentés et d'avoir surmonté leur peur et d'avoir surmonter leurs inquiétudes des représailles. Pour de nombreuses parties civiles, l'Ankar a toujours du pouvoir et il y a toujours des esprits malins qui peuvent toujours leur faire du mal et en se présentant devant le tribunal, elles tentent de détruire cette puissance qui a tourmenté la psyché cambodgienne. La situation d'intérêt de la lettre est différente de celle des survivants. The survivors live with a detailed knowledge what their daily existence at S21 was like. Je dirais qu'il y a ici une différence entre les survivants directs et les proches de ceux qui ont été incarcérés et tués à S21. La situation et l'intérêt de ces personnes est plutôt différente vis-à-vis de celle des survivants. Je souhaiterais ici citer Jean-Marie, survivant à ce propos, survivant du camp de concentration d'Auschwitz. Quiconque a été torturé demeure torturé. Quiconque a subi la torture ne se sent jamais à l'aise dans le monde. L'abomination de l'anéantissement ne s'éteint jamais, ne s'arrête jamais. La foi en l'humanité est déjà fissuré par cette première claque au visage, est ensuite démoli par la torture. Et cette fois, on ne la regagne jamais.
Maintenant, physiquement handicapé, maintenant souffrant de maladies mentales, M. Boumeng se décrit comme suit. Je ne serai jamais la personne en bonne santé que j'étais avant d'être incarcéré à S21. Les cicatrices visibles et invisibles demeurent à jamais. Mon corps et mon esprit sont détruits de manière durable. Les survivants ont un rôle ici. Le tribunal doit les reconnaître en tant que victimes, doit entendre leur témoignage et doit être en mesure de produire des éléments de preuve et doit faire part de cette ce traitement incompréhensible, inhumain. Pourquoi est-ce que j'ai été sélectionné pour être emprisonné? Pourquoi j'ai été torturé sans qu'on me donne de raison pour être torturé? Quels méfaits avais-je commis? La question se pose également de circonstances vis-à-vis des proches. Elles sont uniques. Est-ce que les prisonniers ont laissé un message pour les proches? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-il advenu? Quelles ont été les méthodes qui ont été utilisées? Comment est-ce qu'elles ont été sélectionnées pour être avilies? While asking this, they stress that torture and comment et de quelle manière et où les personnes ont été tuées. Quelle que soit la culpabilité d'une personne emprisonnée, il y a des questions qui ne trouveront pas réponse. Par conséquent, la douleur ne peut, on ne peut guérir de cette douleur-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la justice? Finding the truth pour and getting ces deux catégories, le fait de, d'aller dans ce processus de justice, eh bien, c'est de découvrir la vérité, d'obtenir des réponses, d'arriver à poser ces questions incessantes qui les hantent la nuit, qui les privent du sommeil qui leur est nécessaire. Ces personnes ont été privées jusqu'à ce jour d'une vie dans la paix. Les parties civiles demandent la divulgation de toute la vérité historique de ce qui s'est passé aux êtres chers, qui sont maintenant des visions fantomatiques et qui ce qui est important, c'est d'obtenir des informations détaillées concernant le sort que ces personnes ont connu. Et le fait d'apprendre ces informations va permettre de rétablir la dignité, va permettre de les libérer de l'horreur du passé et de vivre leur propre vie. Cependant, le tribunal n'a pas forcément entendu l'intégralité de l'histoire de chacune de ces parties civiles pour des questions de temps. Monsieur Tatlorn, né en 1970, pendant 3 ans, lorsqu'il avait 3 ans, son père a rallié les rangs de l'armée Khmer Rouge. Il a simplement disparu en 2006 et il a appris que son père a été exécuté à S21 et il a obtenu des informations complémentaires sur ce qui s'était passé. Ensuite, il a découvert qu'il a été arrêté le 19 juin 1976. Il a ainsi obtenu plus d'informations lorsqu'il s'est constitué partie civile. La date de son l'exécution de son père est inconnue. Mais although he often participated in the hearings and learned more about the functioning of S21, his questions about the fate of his father remained without response. Bien qu'il ait participé aux audiences, il a appris plus d'informations sur la manière dont fonctionnait S21, sur les questions ayant trait au sort de son père. Mais un certain nombre de questions sont restées sans réponse. Monsieur Chun Sin a combattu contre les soldats de Lonol et il faisait partie de la division 310. Après l'arrestation du chef de division Bohim, alias Eun, en mai 1977, les soldats de la division disparaissaient chaque nuit, chaque
whom he had fought together, were arrested and delivered to S21 to be killed. Il pouvait être arrêté et tuer son ami et son chef de compagnie, parce que Sommerhun et son neveu Mouchikam, Pala, Kovpala, ont combattu ensemble, ont été arrêtés et ont été amenés à S21. Il souhaite que justice soit rendue pour ces personnes-là, comme pour de nombreuses personnes faisant partie de la division 310. Madame Ulsen, mariée en 1972 à Monsieur Engmark, elle a eu trois enfants et un fils et deux filles. Son mari était responsable du département dans le secteur 43 et Madame Hussein n'a jamais revu son mari. Il avait été soi-disant emmené pour être rééduqué. Selon la biographie de prisonnier, il a été arrêté le 13 octobre 1976 et ensuite il a été conduit dans le bâtiment B, cellule 5 de la prison de Tolsang, et il portait le matricule 24. Madame Hussein n'a que très récemment appris par l'intermédiaire du magazine Searching for the Truth l'emprisonnement de son mari à 21. Pendant 30 ans, elle a vécu dans l'espoir qu'elle reverrait son mari, mais maintenant elle sait au moins qu'il est allé à S21 depuis la disparition de son mari. Elle a commencé à souffrir de maladies chroniques et la disparition de son mari a reporté la charge et toutes les responsabilités familiales sur ses épaules. Elle a élevé seule ses enfants. La perte de son mari a détruit sa vie et a caractérisé sa, a empreinte sa vie de douleur et de difficulté. Madame Soy a perdu son frère cadet en AS-21. Il avait rejoint l'armée Khmer Rouge en 1973 et il avait servi comme soldat dans la division 310. Il était arrêté le 11 janvier 1977 il était vivant au moins jusqu'au 4 février 1977 lorsque son nom est apparu. Le président interrompt. Maître Stutzinski, pouvez-vous ralentir votre débit? Les interprètes vous demande de bien vouloir ralentir de manière à ce que votre message puisse être communiqué de manière adéquate. Votre débit semble être un petit peu rapide. Si vous pouvez vous assurer de ralentir le rythme et si vous voulez répéter les quelques dernières phrases, car il semble qu'elles n'ont pas été traduites. Okay, thank you, Mr. President. I restart with Mrs. Iem Soy. Je vais reprendre she lost her 4 years younger brother in S21. He had joined the Khmer Rouge in 1973 and served then as a soldier in Division 310. He was arrested on 11th of January 1977 and was alive at least until 4th of February 1977 when his name appeared on the list of prisoners to be interrogated. Il était arrêté le 11 janvier 1977 et était vivant au moins jusqu'au 4 février 1977. Son nom apparaît dans les listes des prisonniers à interroger. Il avait le matricule 7 et il s'est trouvé dans la salle numéro 4, c'est le numéro 2. Madame Iem Soy n'a appris que récemment que son frère cadet était emprisonné, interrogé et exécuté à 21. Elle était en état de choc et elle n'a pas pu obtenir plus d'informations concernant son sort. Son frère lui manque beaucoup, car elle est lui passée beaucoup de temps ensemble dans leur jeunesse et elle le décrivait comme étant un jeune homme poli et gentil. Depuis sa disparition, sa famille le sentiment était que sa famille était comme un corps où il manquait un membre, et elle cherche toujours une réponse à la question du pourquoi est-ce que son frère a-t-il été exécuté, et qu'elle ne savait pas que les emprisonnements et les exécutions étaient arbitraires et n'avaient aucun lien avec ce qu'il en était dans la réalité. Je vais passer à M. Sim Lim Sim, qui cherche à ce que
justice, qui souhaite que justice soit faite pour sa sœur Nessim Toumine. Son mari Sarine et leur enfant Saline. Sa sœur aînée a rejoint les rangs de la Révolution en 1970. Son beau frère, M. Sarine, était adjoint du président du commerce. Il a disparu en juin 1977 et est entré dans la prison le 22 août 1977. Sa sœur, Mme Sim Toumine, est entrée dans la prison 5 mois plus tard, ainsi que son jeune enfant, la partie qui vivait son adolescence avec sa sœur, Mme Sim Toumine, et son mari, Sarine, lorsqu'ils sont disparus, il a dû continuer à vivre seul. Et sa sœur, son beau-frère et sa jeune nièce lui manquent beaucoup. Il se demande de quelle manière il aurait pu s'échapper au griffe de la mort. Et pourquoi ces êtres chers ont été emprisonnés et torturés dans l'Inde? Il veut honorer la mémoire de ses proches et il veut savoir ce qu'il est advenu de ces personnes. Il souhaite que les questions qui restent sans réponse trouvent réponse. Madame Hong Savat avait 11 ans lorsque le frère de son père, son oncle Lok Sreng, a été emmené du village. C'était un enseignant, une personne bien connue du village. In 2008, when she discovered him on a photograph in the Slang Museum, she cried and became very depressed and is still wondering which kind of torture he was subjected to. Cela a été extrêmement marquant pour toute sa famille. Son oncle le décrit comme un homme sage et gentil. En 2008, elle a découvert une photographie au musée de Wolfsheim, photographie de son oncle, et elle a souffert de dépression. Et elle se demande quel type de torture il a pu subir. Elle ne peut pas imaginer quelle erreur il aurait pu commettre. Et la question du pourquoi lente, de manière incessante, elle ne peut pas accepter le fait de définir et de sélectionner des ennemis, que cela puisse entrer dans un processus rationnel de pensée. Elle constate que les interrogatoires et la torture étaient complètement arbitraires. Madame Pen Seok-ken a perdu sa jeune sœur Pen Seok-ken à S21. À l'âge de 22 ans, sa sœur s'est venue juste se marier. Elle a été arrêtée et amenée à S21. La partie civile, Madame Pen Seok-ken, a reçu après la formation 1980 par l'idée d'une photographie qui présentait sa sœur pendue à la tête en bas avec les jambes attachées, et elle avait reçu un coup de couteau au niveau du cou. Madame Peng Seok-ken a été hantée par cette image et elle a ressenti une profonde tristesse. Elle ressent un incroyable chagrin lorsqu'elle essaye d'imaginer la souffrance qu'a pu connaître sa sœur et l'horreur à laquelle elle a été soumise. Madame Peng Seok-ken n'a pas reçu plus d'informations, plus de détails. Malgré sa présence au tribunal, elle n'a pas pu recevoir d'autres informations complémentaires concernant la mort et les circonstances de la mort de sa sœur. Elle n'a pas été en mesure de tenir une cérémonie funéraire, étant donné le manque de moyens financiers qu'elle connaît. Et ce fait la prive d'une relation empreinte de paix avec les esprits de ses ancêtres de Bouddha. Madame Nip Kimskaya est née en 1978. Elle a perdu son oncle, M. Thiet Barrow, et sa femme, including their five children in S21. Her uncle was secretary of a battalion of Division 450, and he was accused of having planned an attack against the party. He was detained on 19th of February 1977. Although she never knew her uncle and his family, the Silver Party learned early from her parents about the fate of a part of the family. Her parents had a strong relationship with Mr. Thiet Barrow and his family, and the suffering of her parents accompanied her all her life. Having lost a significant part of her family under horrible circumstances in S21, she grew up rather alone and missed her uncle, her aunt, and her cousins. She wants to memorialize her family by representing them in the proceedings.
I come now to Mrs. Liang Khan. Madame Liang Khan. She lost her nephew, Mr. Nem Chui, who was imprisoned and killed in S21. Until 1975, she lived together with her family, including her nephew, in Angkor Chai village, and grew up with him. He was like an elder brother for her. She had a strong relationship with her nephew, who she loved very much. Later, when they were already separated and her nephew was conscripted into the Khmer Rouge army, she even tried to meet him secretly. She recalls very well the last time that she met him when he informed her about the secret next steps planned by the Khmer Rouge. Then he disappeared. Mrs. Liang Khan was so shocked when she saw his photograph in the Tu Tseleng Museum in 2008. Where he was wearing prisoner number 567. She was very emotionally moved by this sudden discovery and worried about his fate in S21. She could not receive any further information about him in the current proceedings, and all research she has done so far was not successful. Due to the lack of further information, she still lives with huge uncertainty. Plus grande incertitude. Her last image of her nephew should not have to be that of him in an S21 uniform with number 567. These are, in brief, the stories of those of our clients who did not have the opportunity to tell their stories in court, but should be heard in public to memorialize and honor their loved ones who were tortured, dehumanized, and finally killed in S21. The crimes committed by the accused made their families incomplete. Not a day goes by without the memories of the horrors suffered by their loved ones. Les survivants ne se souviennent des souffrances endurées par leurs proches. We do not want to refer again to the stories of the survivors, Mr. Dumeng and Mr. Chumei, but elaborate further on the statement of Mrs. Namon. All survivors contributed significantly to the evidence and shed light on the daily course in S21. The other indirect victims who lost their family members in S21, like Mrs. Chim Navi, Mr. Chum Sirat, Mrs. Pungut Suntari, her mother, Ms. Im Sunti, and Mr. Siang Bandi, contributed to recognize the consequences that the crimes committed by the accused had and have on them who are living examples of the Cambodian society. All their testimonies were very emotional and moving. They demonstrated that their suffering is ongoing more than 30 years after the crimes were committed. They are seeking justice, which means seeking the truth about their beloved and seeking the truth about how the DK regime worked and functioned, in particular the detention and security system, and the motivation for committing the crimes. The civil parties performed their participation rights in the proceedings to achieve this important aim. Those civil parties who testified were very satisfied that the trial chamber allowed them to speak in court about their experiences. This was cathartic for them, but some of them were so nervous that they were unable to remember a few of the details that they intended to account. Certains détails qu'ils souhaitaient raconter. But some of them also felt not very welcomed by the trial chamber, and I will explain why they had this impression. Très bien accueillis par la chambre de première instance. They felt that the trial chamber was not very receptive to their sufferings. All civil parties who testified in August were systematically not thanked at all for their appearances, although it was usual practice towards all other witnesses, experts, and those civil parties who testified in July. Thank you are two small little words, but they mean a lot. They were treated as standby witnesses, mere fill-ins, and had to tell their stories suddenly as it was a case
for Mrs. Plung Suntari and her mother, Miss Im Sunti, who were called to the court with short notice without being prepared and without sufficient attention by the court, that they are all highly traumatized and needed time to prepare appropriately for the long-awaited day of the testimony. The result was that both could not sleep at all the night before they were summoned, having to work on the preparation of their statement, and did not feel well at all physically, but did not dare to not appear because of having fear that they will then not be heard at any other time. Oser ne pas comparaître étant donné qu'elles avaient le sentiment que cette occasion ne se représenterait jamais. None of the experts would have been treated similarly. Civil parties who were heard in August further noticed that nearly no question was asked by the chamber, although one-third of the available time was reserved for questions for the parties and the chamber. This left for them the impression that the trial chamber was rather uninterested in their stories. The civil parties further had fear to cry after they heard the orders of the president to the first civil parties that they should control their emotions, and if not, the chamber would have no time to hear them later. Perceived as a threat, civil parties tried their very best to suppress any so-called interruption of the testimony by their tears. The trial chambers ordered to the civil parties to suppress their tears and to control their emotions did not contribute to a healing process and gave them the impression that their traumatisms are not appropriately addressed by the chamber. These painful traumatic expressions are the result of the crimes committed by the defendant and are therefore relevant for the chamber to find the appropriate sentence. Furthermore, looking for proof of torture, Mr. Boumeng was ordered by the president to show his scars on his back in public and broadcasted session without regard to his dignity and privacy. Of course, he would not dare to refuse due to the respect towards the judges of this court. Fortunately, stripping his clothes off in court was finally averted by his lawyer. As already mentioned, civil parties are seeking the truth. Through their right to question witnesses and the accused, they try to disclose details of daily living conditions in the prison, but whilst doing this, the lawyers were sometimes interrupted by the president, which unfortunately gave the impression that the trial chamber seemed not to be interested very much in thoroughly examining the available evidence. Furthermore, a part of the civil parties has the impression that the court did not execute its caretaking duty towards them. They did not feel protected when the National Defense Council shouted at them and with his unchangeable attitude explained that this behavior is normal. They missed the attention and care of the president when the accused insulted in a sexual manner their international lawyer, which was not translated into English or French, thus feeling attacked themselves by the accused. As a result, some of the civil parties did not feel well protected while they were testifying and not supported by the bench in their search for truth. They are still wondering why they were not treated with equal respect like all witnesses, experts and the accused. Is the personification of sufferings shown every day too hard to bear? At the end of the hearing, civil party lawyers were then excluded from questioning character witnesses, including the psychological and psychiatric experts, and are not allowed to comment on sentencing, although the outcome of the trial with an appropriate sentence is of utmost importance for the process of justice. Civil parties felt that they were deprived from their participation rights when the internal rules itself and the law do not limit their rights to question any witnesses and experts, nor to make submissions on sentencing. Even after having received the reasoning of these decisions, they still cannot find any grounds based on the law or the internal rules which could justify their exclusion. In contrast to those civil parties that missed a respectful treatment, others did not claim and expect at all that the president of the chamber should have thanked them and protected them.
ne s'attendaient pas particulièrement à ce que le président de la Chambre les remercie ou les protège. That they do not have the self-confidence to believe that they deserve, like everyone else, to be respected in their treatment by judges of this court. Despite these shortcomings, we want to stress that the civil parties appreciate the opportunity to tell their story in front of this court, and they want to thank for this. Remercier la chambre de ce fait. I come now to the statement of Mrs. Namon. Position de Madame Namon. Her statement deserves more attention and needs a close assessment of credibility. For the first time, she revealed before the trial chamber her story. She overcame all obstacles and with all her strength and courage to break the silence after 30 years that she was working as a medic in S21 at the age of 15. And that two of her brothers were guards at the prison. Furthermore, she accounted that she saw the accused personally beat to death her uncle Eun, chief of Division 310, and uncle Ket behind the fence of S21, which she observed from building D. Later on, she was arrested, interrogated, tortured, and raped before being sent to S24. Her father, mother and younger brother were killed at S21, while she had heard that her brother Reung was ordered to beat their own father to death. Is this story credible? Did she tell the truth? In order to analyze the testimony, we will use the tools for credibility assessment of testimony. The first tool is to look at the genesis of the account. Faire la genèse du récit. Regarding the genesis of her testimony and the explanation she gave for the primarily withholding of relevant facts, Mrs. Namon asserted that she did not tell her whole story out of fear that she herself and members of her family were working in S21. Only after participating in the proceedings and receiving a lot of support and encouragement by other civil parties, she was able to talk freely and reveal the past. This explanation is plausible. Voilà une explication plausible. Second is the manner of the account. Her account was appropriately accompanied by very strong and overwhelming emotions. Further, she disclosed details which she could only know as an eyewitness. Additionally, the murder of her uncle Eun, who was the chief of division 310, and her uncle Ket of the same division by the accused himself is plausible given their close and personal relationship. Thirdly, psychological experts on credibility assessment of witness testimony stress that any false statement needs a motive behind. Obviously, there is no potential motive for her to invent this story. She gains nothing by incriminating the accused just at this late stage of the proceedings. She has already submitted substantive material to become a successful civil party. It does not benefit her status. Furthermore, her account was not coined by hatred or revenge. In contrary, she spoke positively about the accused, whom she described as handsome at the time. Why should she then incriminate the defendant against better knowledge? Accuserait-elle à tort l'accusé?
She incriminated herself while she told the court that she was part of the total institution S21 and contributed to the ill treatment of prisoners with insufficient medical treatment, although she was still very young. Why should she take this risk of self-incrimination without any need if the story is not true? Even if it is unlikely that she would be prosecuted, exposing herself would still put her reputation in the village at risk and could lead to banishment in her village as a punishment for her complacency with the Khmer Rouge. Fifth, regarding the content of the story itself, it seems to be plausible that she focused mainly on her family members. It is a typical performance of somebody who faced a horrible situation at a rather young age to block out such atrocities and other occurrences related thereto. Therefore, this defense argument does not put doubts on her statement. The fact that she could not recognize the photograph with the accused taken during the decay period does not make her statement questionable. First, its quality is bad, and secondly, a certain ability to recognize somebody on a photograph 30 years later is required, which she obviously does not have. Therefore, the only reasonable conclusion is that the content of the story, the manner how she told it, the details that she could recall, and the fact that no motive for a false statement is obvious leads to the inescapable conclusion that her statement is plausible, credible, and convincing. In addition, the non-verbal reaction of the accused was unusual in contrast to his reactions with all other witnesses and civil parties. When Mrs. Namon described the personal involvement of the accused in the killing of his friends and comrades, Eun and Ket, he looked at the ceiling and acted uninterested. In all other cases, he paid close attention to all that is being said by anyone on the stand. In addition, when she asked him if he denied her account of what happened, he never responded. Instead, he began with general comments about his responsibility for all crimes, never addressing her specific account of beating her uncles to death. Again, in all other instances, when witnesses or civil parties accused him of any personal direct involvement in torture, he would outright deny it. In this case, he entirely avoided the question and did not deny his involvement. Instead of addressing Ms. Namon's testimony and her question to him, the accused simply contested her testimony by submitting there were no female medics at S21. Ms. Namon addressed this point by explaining that she entered the original site prior to it becoming S21, dressed like a male after the advice of her father. She continued dressing like a male when the site became S21 and operated by the accused. Regarding the photographs of killed family members of Ms. Namon, he argued that the statement of Ms. Namon and the photographs were not corroborated by other documents, although gathered in July 2008 in Tulsleng. Then the accused simply and continuously referred to other civil parties in order to distract from Mrs. Namon, while the trial chamber reminded him several times that he should give his comment on this civil party and not on others. To conclude, the reaction and content of the accused's comments show that he did not dare to contest in the presence of the civil party her account about his personal involvement in beatings and killings. But why? The answer is because they are true. Pourquoi? Parce que ce These facts, est vrai. In particular the murders, are enclosed in the closing order.
The killing of her uncles, who are among the 12,273 killed persons, is one of the charges against the accused, who is deemed to be criminally responsible for these killings. So far, the form of liability is, according to the indictment, having ordered these killings. Now, he must be considered as the direct perpetrator of these two killings. It is within the mandate of the trial chamber to assess the form of liability according to the facts submitted before them. Replacing the liability of command responsibility through direct commission does not prejudice the accused, as it is of the same weight and in the jurisdiction of the trial chamber to finally qualify the form of liability. During the trial, Mrs. Namon also revealed to her international lawyer, after her declaration in court and after she saw the witness and guard Chunpal testifying, that he had raped her. Immediately after having received additional detailed information, we requested the chamber to submit additional facts regarding Mrs. Namon. The chamber granted the request, but postponed it. Nevertheless, surprisingly, the trial chamber rejected this additional information about the rape to be belated, and that it will be impossible to gather related evidence within a reasonable time. The decision dates 28th of October 2009. This decision is erroneous for two reasons. First, we have announced immediately, after having received the information, the request to the trial chamber to be allowed to submit further information. Secondly, the decision completely ignores the difficulties of a victim of rape to come forward with her story. Furthermore, the ruling does not take into account the impact the disclosure of being raped has on the reputation of a woman in Cambodia. She would be considered in her community as fair game for everybody. Therefore, she never ever talked about these facts for more than 30 years. Only when she saw the perpetrator here in the courtroom, again, she started to take all her courage in both hands and felt that she could no longer remain silent and informed her international lawyer. Simply to dismiss a request for being belated under the described circumstances does not do justice to a victim of rape. Moreover, the defendant admitted many cruel things that he at first denied. The credibility of this defendant is extremely questionable, given that he has misled the court on various occasions and continues to withhold information, despite his assurances of being truthful. A chilling example of this is when he first denied the blood drawing and anatomic surgeries and experiments done on prisoners, and only later admitted remembering suddenly. It is highly doubtful that one could forget such atrocities. I would like to give now the floor to my Cambodian colleague, who will continue, and for this we change, to make it easier, our seats. Mon confrère, Maître Kong Pisay. Mr. President, Monsieur Your le Honours, Président, Madame, Messieurs les Juges, I may now proceed with the remaining of the statement. Je vais donc poursuivre et conclure ces observations finales du deuxième groupe de parties civiles. I am going to make the statement in relation to three points, which is sexual crimes and female investigators, the accused defense strategy and the reparations. Et pour terminer, la question des réparations.
Having received the final submission of the co-prosecutors, surprisingly, rape as a crime against humanity does not appear at all. Although rape is part of the indictment and has been admitted by the accused, at least in one case. Omitting sexual violence committed in S21 constitutes a bad example for Cambodia, a country in which recently police and court officials classified the rape of a woman who was not a virgin, not as rape. Although bien que les agressions all kind of sexual assaults are the most heinous crimes, mostly committed against women, these crimes remain regrettably often unpunished and enjoy broad impunity. The prosecution and thus the co-investigating judges already failed to investigate properly sexual violence and ignored the existing evidence. Therefore, we would like to summarize our thoughts on the matter. The first case is that of a namely unknown interrogator who raped the accused former school teacher by inserting a stick into her vagina during the interrogation. According to the accused, he remained unpunished with the approval of Son Sein. The accused explained as follows, quote, "If I understand the law properly, if the act was a sexual abuse, I would not spare, I would not, I would rather request my superior. At the time, I did not fully know the law. I did not study any penal code of Cambodia, and therefore I did not know about this matter. Probably even my superior did not know it." And being asked if he knew that committing rape was and is a wrongdoing, he reserved his right to remain silent. Of course, it is not necessary to study the penal code to become aware that rape and sexual abuse are serious crimes. The accused attempt to avoid liability by hiding behind the penal code is a slap into the face of the victims. The accused did not need to study the penal code to know that inserting a stick into the vagina is a serious crime. Again, this is an example of how he attempts to cleverly evade responsibility when it suits him. It is clear that, as the commander of S21, when prisoners enter and were already destined to be killed, he did not take any interest in how they were treated in the interim. As a result, many women felt prey to sexual assault under his command. Likewise, not receiving any protection against other form of torture and ill treatment inflicted day and night on them. Although the accused was convinced that this case was the only rape case at S21, he could not give any reason for this assumption. The evidence refuted his supposition. Rather, supposition which he wanted to be taken as truth, mais qui est réfuté par les éléments de preuve. The second case, reported by witness. Le deuxième cas, Pratt Khan, c'est le témoin
Prakan the case was of the interrogator named Duch. He raped a female prisoner during lunchtime. Abordé. The whole staff of S21 gathered in order de, to not let him flee. Du nom de he was arrested. Avait, although violé this incident une attracted the interest of the entire déjeuner, staff, the accused pretends to have no knowledge of this case, and even the interrogator Duch was unknown to him. Rassemblés afin de l'empêcher de s'échapper. Il a été arrêté. Dès que cet incident a attiré l'intérêt de tout le personnel, l'accusé a fait semblant de ne rien savoir de ce qu'il en était de ce cas. Et the third rape case was reported by the witness Chun connaissait pas. Là encore, who has been told by his superior that this rape si tout le personnel des 21 était informé, l'accusé done by a guy avait forcément connaissance to him and de ce saw qui s'était passé. Rien ne se passait à S21 sans que l'accusé en soit informé. Le troisième cas de viol a été signalé par le témoin Chung Pral, qui qui en a été informé par son supérieur, qui a été informé de ce viol par un garde qui se trouvait à côté de lui et qui avait vu la victime de ce viol. L'accusé prétend que mis en place un système pour éviter des agressions sexuelles supplémentaires en mettant en place une équipe d'interrogatrices. Mais rien ne corrobore ces éléments de preuve à l'appui de cette version des événements. De plus, même les interrogatrices. Given the situation of male guards at S21, peu de femmes étaient protégées. Des centaines de femmes étaient protégées par un nombre si réduit d'interrogatrices. L'accusé lui-même était établi que les interrogatrices ont été par la suite purgées. Donc, il n'y avait pas. Les prisonnières n'étaient pas protégées par les interrogatifs puisqu'elles étaient tuées. Étant donné la situation des gardes de sexe masculin à S21, l'accusé avait suffisamment de raisons pour savoir que les interrogateurs et les gardes qui étaient privés de vie sexuelle avaient des chances d'exploiter la situation sans défense de ces prisonnières. Ces femmes étaient destinées à être tuées et étaient dégradées et subissait des traitements inhumains et subissait des agressions sexuelles par ses gardes. L'accusé n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher de tels crimes. Par conséquent, l'accusé est pénalement responsable de moins trois viols commis à S21. L'ordonnance de renvoi by indicting him with at least one case of rape. À cela dans la mesure où le fait est de toute évidence suffisant pour justifier son inculpation pour ce qui est d'au moins un cas de viol. Le quatrième cas de viol commis par le garde Chung Pral envers la partie civile Mme Namon a été chose regrettable, écarté par la chambre de première instance. Et ce cas reste par conséquent impuni. Le témoin, M. Van Natt, et la partie civile, M. Boumain, usual practice that the male prisoners in the big cells had to strip off their clothes. L'habitude était que while the guard sprayed water on them, the guard used these occasions regularly to mark about their genitals and to insult them sexually. Legally, this is sexual harassment, which must be régulièrement les gardes profitaient de ces occasions pour se moquer des prisonniers. En faisant des commentaires sur la partie génitale et en adressant aux prisonniers des insultes de nature sexuelle. La loi énonce qu'il s'agit là d'un harcèlement sexuel qui, et cela se résume à un autre acte inhumain à l'encontre des prisonniers. Stratégie de défense du prisonnier. La stratégie de défense du prisonnier est principalement basée sur quatre
éléments fondamentaux. Il maintient, l'accusé maintient qu'il était une victime du régime du Kampuchea démocratique, qu'il ne pouvait se soustraire aux ordres, qu'il devait obéir aux ordres sans pouvoir discrétionnaire, qu'il ne faisait que son travail en tant que directeur de M13 et par la suite en tant que directeur de M21, et ce de manière réticente. Deuxièmement, en contestant et en s'opposant fortement à toute participation personnelle dans la torture, les tueries, les arrestations. Troisièmement, en prétendant coopérer pleinement pour avoir présenté un récit fidèle à la réalité. Quatrièmement, en demandant le pardon, en présentant ses excuses et en exprimant un remords. Nous ne pouvons répéter les arguments de nos collègues, mais nous nous joignons à eux par rapport au premier point. Le fait que l'accusé se présente comme une victime est à la fois une insulte pour les victimes et pour l'ensemble du peuple cambodgien. Il n'est pas non plus un bouc émissaire, une victime d'un nombre de victimes parmi d'autres victimes. Il s'agit là d'une citation extraite d'un article du journal français Le Monde, pour reprendre la citation de Maître Roux. And who is perpetrator in this media campaign to try the case outside of the courtroom? La victime et l'auteur des actes. Et cette confusion se place ici à l'extérieur du prétoire. We conclude that nous arrivons à la conclusion. And meticulous participant with broad discretion, including sparing lives and bettering the prison conditions for Rut Gut and Chau Sing, who he called semi prisoners, quote unquote, and providing them with decent food and accommodation. Il a pu à deux occasions fournir, faire bénéficier deux prisonniers d'un régime alimentaire meilleur que celui donné d'accoutumer. But moreover, he enjoyed the power as a power-hungry man who performed his work much more than 100% without any empathy for his victims. His aim was to keep his power, being in a highly recognized position with exclusive daily contact to the highest level commanders. Son objectif était de conserver le pouvoir, puisque and for example, he ordered the painters to prettify the neck of Pol Pot. Dans ses contacts au quotidien avec les plus hauts dirigeants, and enjoyed a highly good standard under the given circumstances, leur faire plaisir, par exemple, which he would have lost immediately en enjoignant les peintres de faire later des représentations flatteuses du coup de Pol Pot. Il vivait dans une villa, des villas à Phnom Penh, et jouissait d'un haut niveau de d'un style de vie et d'un niveau de vie élevé. Dans ces circonstances, the now most powerful il aurait tout perdu si religion, il avait démissionné. As he's classified it, as son it was explained pour le by the psychological and psychiatric experts. If he remained a Buddhist, his crimes would le have deemed en him se convertissant to à la christianité. The 18th level of hell, et where there is il no est passé du bon côté, therefore, he saw depiction as a simple en adoptant la religion la plus puissante, la christianité. S'il était resté bouddhiste, ses crimes l'auraient condamné au 18e niveau de l'enfer, de là où on ne revient pas.
in Jerusalem. Je souhaiterais maintenant citer Anna Arendt dans son livre Eichmann à Jérusalem, La banalité du mal. Et elle suggère que le tribunal aurait dû dire à l'accusé Eichmann qu'il avait avancé qu'il avait obéi aux ordres. Open quote. There still remains the fact that you have carried out and therefore actively supported a policy of mass murder. For politics, it is not like the nursery. Il ne reste pas moins in politics, obedience and support is the same. Réalisé ces actes et par conséquent, vous avez actuellement soutenu une politique de tuerie. Is contesting any personal involvement in torture, killings, and arrests. Why is it for the accused of utmost importance to strongly object to any personal direct involvement in such crimes, although he now admits having ordered them? Il est extrêmement important pour l'accusé de. I try to give an answer. D'objecter prior to the accused being in detention at the ECCC, he was of the opinion that only those are criminal responsible admet à présent who have blood on their hands donné and that orchestrating murder from behind as death cependant, bears no or at least less criminal guilt. En rétention au CETC, l'accusé pensait que ce qui avait du sang sur les mains, c'était des personnes responsables pénalement. Et que le fait d'orchestrer les tueries derrière un bureau ne comportait pas ou peu de culpabilité pénale. They explained to me that I had le to confess gouvernement du and be responsible seul for my responsable. Crimes. Seul and de, I would not put the blame on the government as I did in the past. And of course, this was made on the 25th of June 2009. This shows clearly that he lacked any conscience of wrongdoing at the time he committed the crime. He was convinced of the policy of the party line to smash the enemy. Cela montre clairement qu'il n'avait pas de prise de conscience des méfaits qu'il avait commis pendant cette période où il avait commis des crimes. Il était convaincu que la politique et la ligne du parti d'écraser les ennemis étaient However, the accused's defense strategy of denying any personal involvement in torture killing and arrest is suite sa culpabilité, sa responsabilité pénale pour les crimes commis à 21, au moins en général. In the trial contradicts him. The statements of Mr. Bratcon, Mr. Saumade, Mr. Wannad, and Ms. Namon gave evidence that he ill-treated and at times tortured personally by beating, electroshooting, and kicking. Furthermore, annotations on confessions, the testimony of QJ, who was part of the catcher group who arrested people all over the country, and his direct and well-documented autonomous exchange with division chief Mr. Su made about the identification of so-called traitors and their delivery to S21, including those arrests which was organized at his home, chef de division, demonstrate Soumette, his personal involvement in arrests. At times, the accused also continued the practice of M13 to personally kill as Mrs. Namon described parfois, how he beat her to death with an iron bar, her ankle, avait continué cette pratique de M13 consistant à tuer des personnes. Madame Namon a décrit comment il avait battu son oncle Yuan et Kate, ainsi que ses proches camarades révolutionnaires. Il les avait battus à mort avec une barre de fer. Le troisième pilier de la défense de l'accusé, est d'avancer que l'accusé coopère pleinement avec le tribunal en
n'admettant, reconnaissant the cooperation et en with the court présentant and des réponses franches aux parties civiles, ceci n'est ni sincère, ni représentatif de la vérité. La coopération avec le tribunal there were too many questions of all parties, as well as of the judges, that he either did not respond to at all, or he circumvented persistently and ingeniously. Ceci ne peut être considéré comme étant une confession empreinte de vérité. Of the closing order and cannot amount to a confession. It is only a part confession. Il y avait trop de questions de la part des parties civiles, de la part des juges, qui n'ont pas trouvé de réponse. L'accusé a essayé d'éviter les réponses de manière persistante et ingénieuse. Selon lui, il voulait faire de son mieux pour contribuer à la vérité et de répondre au mieux aux questions posées. Ceci n'a pas été le cas. Et ce, à un certain nombre d'occasions. He was unconvincing when he stated il n'a pas été convaincant lorsqu'il a déclaré qu'il n'avait pas connaissance de l'existence du professeur Phung Ton, une personnalité estimée au Cambodge et dont la présence à la prison ne pouvait être ignorée par l'accusé. To hide his responsibility, pour he even argued that éluder sa responsabilité, il a même avancé que les documents existants concernant la date d'entrée du professeur Phung Ton devaient être erronés. L'accusé a déclaré qu'il avait été arrêté à S21 à l'époque où Nat était directeur. Ceci signifierait que le professeur Phung Ton aurait été in prisonnier à S21 pendant plus de 20 mois. And this, according et ceci, to the accused, selon l'accusé, without being tortured. Sans avoir it is été very torturé. Clear that the accused is lying. De toute évidence, l'accusé likewise ment. It was not convincing at all when he stated de la même manière, he had no knowledge of the imprisonment of his close friend Chum Sinaret and Chum Naret. De ses amis proches Chum Sinaret et Chum Naret. In our opinion, selon nous, the presence of the related civil parties in the trial chamber and the fact that their eyes are directed upon the accused prevents him from taking responsibility and the fact that he was a party to the murder of someone he admired sur l'accusé l'empêchait de prendre ses responsabilités, addition, la responsabilité de son rôle offer to en tant que participant, que faisant partie de l'assassinat de quelqu'un qu'il admirait et qui était son ami proche. Last but not least, the fourth major aspect of his defense was his repeated request for forgiveness, his apologies, and his expression of remorse towards the civil parties and their families. This became more and more ruckus. In the course of the hearings, and more, these expressions contradicted and opposed his above depicted defense line for the civil parties. Excusez l'expression de remords vis-à-vis des parties civiles et de leurs familles. Cette répétition des excuses n'a fait que solidifier sa culpabilité, renforcer sa culpabilité pendant la procédure. C'est tentative de remords. L'art moyen préparé en général vers 16 heures à la fin de l'audience peut être décrit comme étant des larmes de crocodile. Les parties civiles ont senti que ces larmes étaient des larmes calculées vides de sens et en éludant les questions et en orchestrant ce remords, l'accusé nier toute possibilité de les convaincre de ce remords et par conséquent leur permettait d'accepter. Ils auraient permis d'accepter ces excuses et de pardonner l'impardonnable. Dernière partie, réparation. Nous avons pris note des commentaires faits lors des dernières observations de la défense selon lesquelles l'accusé est indigent.
be able et nous to pay for any kind of reparations. We would like to remind the accused that he cannot sit back and relax with an inward smile. The accused could do more than this. We request that the accused bear the financial burden for his crimes and that there are ways he can contribute. Et nous could avons, ask for work that we could perform while in prison or write an autobiography to be sold or in order to collect some money for the requested reparations. At this point, we want only to highlight our realistic requests pouvant gérer des fonds pour couvrir les frais de réparation requises. To open letters to the royal government of Cambodia and to request first en avant des demandes réalistes. And to par exemple, l'accusé pourrait être enjoint des créances de lettres ouvertes au gouvernement royal cambodgien demandant une excuse de l'État et un tiers des recettes des entrées de Kwesleng et de Kwesleng sont utilisées pour la réalisation de réparations requises à la fin de nos observations finales. Mettons en avant les demandes suivantes et que nous présentons ces demandes à la Chambre de première instance. Premièrement, nous demandons à la Chambre de déclarer recevable toutes les demandes de constitution de partie civile. Deuxièmement, nous demandons à la Chambre de considérer les faits liés à la culpabilité de l'accusé tels que présentés dans les observations finales pour le jugement final, et en particulier pour ce qui est des deux assassinats et d'un total de trois viols. Troisièmement, de faire droit à nos requêtes de réparation telles que présentées dans nos observations finales. Quatrièmement, de demander à la Chambre de rejeter le fort désir de l'accusé de se réinsérer dans la société cambodgienne. J'en arrive ici à la fin de mes observations finales. The President. The chamber has already heard the oral closing statements of the civil parties representing group 2 and group 1. De parties civiles, à savoir group 1 et group 2. Scheduled, comme it is already time prévu, to take the adjournment for lunch. Nous allons faire une pause déjeuner and resume the session et nous reprendrons by 1:30 p.m. à 13h30. La carte de sécurité bancaire est annulée. The security personnel are now instructed to take the accused to the waiting room reserved for him or take him to the detention facility and make sure that he is returned to the courtroom by 1:30 p.m. dans le centre de détention et d'assurer son retour dans son prétoire d'ici 13h30. Somme d'une grande chance.